Lorsque nous recevons un appel indiquant qu'il s'agit d'une situation mettant la vie en danger, il y a plusieurs aspects qui doivent s'emboîter comme les tesselles d'une mosaïque. Cela signifie que le facteur décisif n'est pas seulement l'envoi des moyens et du personnel de secours, mais aussi le soutien aux personnes qui sont sur place avec le patient. Nos employés de la centrale opérationnelle guident ces personnes au téléphone en gérant cette première étape de la phase de réanimation avec l'aide des personnes sur place. Cela nous aide énormément lorsque nous arrivons en tant qu'équipe de professionnels parce que nous trouvons une bonne base pour assurer le succès de la réanimation. Un appel sur trois au centre opérationnel est un appel concernant un cas de réanimation qui est géré et pris en charge par du personnel ad hoc. Immer weiter drücken, durchdrücken, nicht aufhören. In meinem folgenden Takt. 1, 2, 3, 4. Grâce au nouveau dispositif et au système de feedback, un capteur de pression qui est placé sur le sternum du patient, on peut mesurer la profondeur de compression qui devrait être comprise entre 5 et 6 cm. En même temps, on mesure aussi la fréquence cardiaque, entre 100 et 120 battements par minute, qui correspond à la fréquence cible ou à la vitesse des compressions sur la poitrine. Je me souviens quand l'appareil a été présenté pour la première fois, beaucoup d'entre nous le voyaient comme une restriction. Tout ce qui est nouveau au début est étrange car il faut s'y habituer. Mais maintenant, nous le percevons tous comme un support et une ressource remarquable, parce que nous pouvons facilement contrôler notre travail et surveiller la qualité de la réanimation. On pense souvent « non, je continue », alors qu'il faudrait changer de poste régulièrement, même si on ne se sent pas fatigué. Maintenant, on peut vraiment surveiller la qualité de la réanimation et comprendre quand elle n'est pas efficace. La possibilité de voir tout cela à l'écran nous aide énormément. Il est essentiel de pouvoir transmettre les données des cas cliniques pour pouvoir les analyser. Il est très important de rencontrer l'équipe et d'en discuter ensemble. Il arrive très souvent qu'à la suite d'excellents secours, nous réunissions le personnel pour leur dire « Bravo à tous, vous avez fait un excellent travail ». Nous utilisons ces données pour le débriefing aussi. Nous transmettons les données et nous les analysons avec un logiciel sur le PC pour regarder sur l'écran ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est mal passé. Nous pouvons voir exactement à quel point chaque compression était profonde, quelle était la fréquence et quelle était la longueur des pauses. Tout est enregistré en détail. Nous pouvons également utiliser l'analyse pour une formation ultérieure. Afin de gérer correctement l'introduction des nouvelles technologies, il était important pour nous d'avoir des données, pour expliquer aux employés que nous sommes sur la bonne voie. C'est pourquoi en 2013, nous avons commencé à inclure nos cas de réanimation dans le registre de réanimation allemand. Il s'agit d'une plateforme qui rassemble et compare des cas de réanimation dans toute l'Allemagne et presque partout en Europe, des différentes situations, des différents rythmes cardiaques, pour ensuite voir quel est le résultat final sur le patient. Il s'agit pour nous d'un aspect crucial, car nous pouvons enfin démontrer les succès de nos employés, parce que vous pouvez améliorer seulement ce que vous pouvez mesurer. En 2014, avec l'introduction des nouveaux équipements, nous avons commencé à enregistrer ce parcours et nous avons obtenu des résultats significatifs. Dans la période 2014-2015, nous avons beaucoup progressé dans la réanimation. En d'autres termes, depuis les positions intermédiaires dans le registre de réanimation, nous nous sommes considérablement améliorés et nous avons atteint les niveaux les plus élevés. Maintenant, depuis 3 ans et demi, 4 ans, nous occupons chaque année les premières places, entre la première et la sixième place, dans le registre de réanimation. C'est un succès incroyable et je suis très fier de nos employés qui répètent ce grand résultat année après année.